Good morning, allez, Iden est sur aujourd'hui le Lunishmat Richard Aaron Ben Fortune Mazal, Claude District Ben Fortune Mazal, et Dani Myriam Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez vous aussi des dunes prochaines dunes Misha, contactez la Sakimet éternelle, nous étions Masachet Souka. Perigvet Mishnah Alef, Ayashen Tachatamita, Basuka, Loyasaï de Chobato, Amar Biouda, Noaginainu, Shainu Yishinim Tachatamita, Bifnazganim. Velo Amroula Noudavar, Amar Abi Shimon, Maasevet Aviado, Shelor Ben Gamliel. שהיה ישן תחת המיטה, ואמר להן רבן גמליאל לזקנים, ראיתם תביא עבדו, תביא עבדי, שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה, לפיכך ישנו תחת המיטה, ולפי דרכנו למדנו, שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. On commence à traduire directement le cas. הישן תחת המיטה, celui qui dort sous un lit, dans la soukha, basuka, dans la soukha. Soit, on a déjà expliquer le problème de soukha tachat soukha, même. Quand la Torah nous impose de dormir dans une soukha, ça veut dire que tu construis un espace qui s'appelle la soukha, avec des murs et un toit, et je te demande de dormir dedans. Si tu vas maintenant construire une cabane, ou c'est le même principe que lié à le baldaquin qu'on avait en haut, dans la soukha, il s'avère que maintenant, tu es peut-être géographiquement dans une soukha, mais tu n'es concrètement pas abrité par la soukha. C'est la problématique de notre Mishnah qui me dit que celui qui va dormir sous un lit dans la soukha, parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce que ça lui disait de mieux s'abriter, des risques de pluie, que ça ne lui tombe pas dans le nez, dans le visage pendant qu'il dort, peu importe. Il dort donc, dans sa soukha, il a mis un lit, et il dort sous le lit. Ben la Mishnah me dit, ben, le yasaï de Chovato, il ne s'acquitte pas de sa mitzvah, puisque maintenant, tu n'es plus sous l'espace, dans l'espace de la soukha, tu as créé un nouvel espace, qui est sous le lit, qui est lui-même dans la soukha. Donc tu ne t'acquittes pas de ta mitzvah. Il y a quelques petites conditions à préciser, mais on les dira ensuite. En comparaison avec justement le lit à baldaquin, mais pour le moment je préfère d'abord avancer la mission jusqu'au bout. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda. En fait Rabbi Yehuda, il contredit, il n'est pas d'accord avec cette halakha. Selon Rabbi Yehuda, on s'acquitte de sa mitzvah, ainsi. Et sur ça, il nous dit Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda. Nous, on avait l'usage, nous quand on était petits, que l'on dormait sous les lits devant les zkenim. Rabbi Yehuda, c'était la dynastie des Nessim d'Israël, je crois. Et donc, chez lui, il y avait chez son père, il y avait tous les grands amis de Khamim qui venaient pendant la soukhot. Et les petits, bien évidemment, ils avaient une soukha. Les petits, ils se mettaient à dormir pendant que les grands, ils parlaient de Divrei Torah. Et oui, ils allaient dormir. Ils se mettaient sous les lits, ils dormaient. Et quoi? Velam roula nous d'avar. Et personne ne nous a jamais rien dit. Ça veut dire, moi, je me rappelle, j'avais 10 ans. Je dormais sous les lits quand il y avait les grands rabbanim qui étaient tous venus voir mon papa. Et puis, je dormais sous le lit, personne ne m'a jamais rien dit. Or, même si j'avais que 10 ans, c'est vrai que je n'étais pas bar mitzvah. Mais j'avais une mitzvah de chinour. Et c'est sûr qu'il m'aurait dit quelque chose. Personne ne m'a jamais rien dit. Donc c'est sûr que c'est permis de dormir sous les lits. Voilà ce que veut dire Rabbi Yehuda. Sur ça, il y a Rabbi Shimon qui va nous raconter une autre histoire, une autre anecdote, où tu vas voir de cette anecdote que c'est le contraire. Amar Rabbi Shimon, elle a dit Rabbi Shimon, Maseh Betavi Avdo Shel Rabban Gamliel. Il y a une autre histoire, ça s'est passé dans la maison de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, il avait un esclave qui s'appelait Tavi. Et c'est un esclave très particulier, on en parle plusieurs fois dans le chasse, de Tavi. Tavi, l'esclave de Rabban Gamliel, c'était un esclave. Tamit Chacham, il connaissait plein de choses. Il était raffiné au possible. Fin d'esprit, des connaissances extra. En tout cas, il nous raconte une histoire avec ce fameux Tavi Avdo, justement, que dans la maison de Rabban Gamliel, il y avait Tavi Avdo, de Rabban Gamliel, Shayar Yashen Tachatamita, il dormait sous le lit. Ouais, il y avait une histoire, où justement, une autre histoire, où les rabbanim étaient venus voir Rabban Gamliel. Et pendant qu'ils sont arrivés chez Rabban Gamliel, ils ont vu que sous le lit, là-bas, il y avait Tavi Avdo qui dormait. Et il leur a dit, Rabban Gamliel, en rigolant, Rabban Gamliel, Azkenim, Rabban Gamliel leur a dit aux Azkenim, vous avez vu, Raitem Tavi Avdi, vous avez vu mon cher esclave Tavi, Shu Talmit Racham, comment il est Talmit Racham ce Tavi. Veyodea Shavadim Turim Nasuka, il sait que les esclaves n'ont pas de mitzvah, n'ont pas le devoir de dormir dans la soukha, c'est comme les femmes, ils ont Turim, Mimizat Asesh Asavan Gramba. Les Figar Yashenu Tachatamita, c'est pour ça qu'il dort sous Tachatamita, c'est pour ça qu'il dort sous le lit. C'est-à-dire qu'il nous rapporte une histoire avec Rabban Gamliel, que justement, les rabbinim, ils étaient rentrés chez Rabban Gamliel, il y avait l'esclave qui dormait sous les rabbinim, leur a dit, vous avez vu, Rabban Gamliel, cet esclave-là, c'est un certain Talmid Chacham, il sait qu'il n'a pas de mitzvah de dormir dans la soukha, c'est pour ça qu'il dort sous les lits, donc.
s'il avait la mise à dormir sous dans la souka, il ne dormirait pas sous le lit. Donc tu vois bien que dormir sous le lit, ça invalide la mitzvah de dormir dans la souka. D'accord? Et donc, selon, pour notre besoin, Rabban Gamliel, lui, il n'est pas parti. Il a dit cette phrase. Il a dit cette phrase en rigolant. Il n'a pas dit avec pour enseigner une halakha. Mais nous, Ulfi Darkenu Lamanu, pour notre propos, on pourra déduire de là. Shayashan Tachatamita, que celui qui dort sous le lit, lo yasai de chovato, il ne s'acquitte pas de sa mitzvah. Donc en fait, on a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur celui qui va dormir sous un lit. Alors, quelques petites conditions. Tout d'abord, si le lit n'a pas 10 tefach, il a une hauteur moins de 10 tefach. Ouais. Par exemple, 50 cm, 60 cm. Là, démarre le lit. Quelqu'un va dormir sous le lit, il s'acquitte de la mitzvah. On parle qu'une année qui a un minimum de 10 tefach, une hauteur de 1 mètre d'espace. Un mètre, ouais, plus ou moins. 10 tefach, on prend 9,6, 96 cm. D'accord? Que à partir de 96 cm débute le problème. Moins que ça, c'est pas considéré comme un espace qui fait écran. Au même titre que tu peux dormir dans la souka en mettant ta couverture sur ta tête. On va pas dire que tu es plus dans la souka, t'es sous la couverture. Non, t'es sous la couverture, avec elle, t'es sous la souka. Et même si t'aimes pas avoir la couverture posée sur le visage, tu la surélèves à un tefar ou deux tefar, c'est pas grave. Tout ça, ça nulle à toi, c'est encore bon. Par contre, si tu vas maintenant mettre ton lit à 10 tefar, alors là, t'as créé 10 tefar, c'est un nouvel espace. Un nouveau halal, un nouvel espace. Il s'avère que maintenant, tu n'es plus dans la souka, t'es sous le lit. Là, c'est invalidé selon Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda nous dit que c'est quand même bon. Alors, le Barthénois, il explique que Rabbi Yehuda, en fait, c'est selon le fameux principe. Que Rabbi Yehuda dira Tkeva Bainan. Selon Rabbi Yehuda, il faut construire une souka de manière fixe. Et puisqu'il a besoin de construire une souka de manière fixe, forte, ouais, dans ce cas-là, il a une règle qui va te dire un lit, c'est pas un espace provisoire, complètement momentané, quoi. Donc du coup, lo ate oel keva, oel arai ou mevatel oel keva. Cet abri momentané n'annule pas le oel keva. D'accord? C'est une question de rapport de force. Puisque je t'impose d'avoir une souka qui doit être forte, alors, et qu'un lit, c'est quelque chose qui bouge, c'est mobilier, donc ça bouge, ça se déplace. Il s'avère que maintenant, dormir sous lit, c'est pas encore un espace équivalent à la souka, ça ne peut pas annuler la mise de la souka. D'accord? Autre précision, dernière précision, on a dit donc que toute la discussion n'est que sur un lit qui est plus de 10 tefach. Moins de 10 tefach, c'est permis, malgré tout, dans l'histoire du lit à baldaquin, qu'on a vu dans la Mishnah, je ne sais plus où exactement, une des Mishnah d'en haut, du premier Perek, c'est ce qu'on a Kevin Kinoff, je ne le retrouve plus pour le moment, c'est pas grave. On avait vu là-bas qu'on avait un lit à baldaquin, que si jamais il a un toit d'une largeur de 1 tefar, c'est invalide. Là-bas, c'était pas la peine d'avoir une hauteur de 10 tefar. Même si tu avais une hauteur de 3, 4 tefar, c'était déjà invalidé. Là-bas, c'est une autre raison, parce qu'il y a une différence fondamentale en fait entre le lit et la tente qu'on a fait pour dormir. Parce que le lit lui-même, il n'a pas comme fonction de créer un espace en dessous. C'est en fait, en deux mots. Si tu veux créer un nouvel espace dans la souka, même si tu ne fais pas 10 tefach, ça vient invalidé. Mais si tu n'as pas d'intention de créer un nouvel espace, comme le lit, on met un lit pour dormir dessus, pas pour dormir en dessous. Donc maintenant, on va considérer que l'espace en dessous n'a pas un statut d'espace différent de la souka. Tu n'as pas créé un nouvel espace, en fait. C'est pour ça que ça marche, tant que ça n'a pas une hauteur de 10 tefach. Bon, au-dessus de 10 tefach, c'est invalidé, comme l'avis de Rabbi Shimon. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine.